Allez, salut à tous les amis, c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo hors série pseudo découverte d'un nouveau jeu, un free-to-play plus précisément, parce que je joue pas mal à des free-to-play, il y en a de plus en plus et il se diversifie aussi de plus en plus, c'est ça qui est bien, on en profite nous consommateurs de jeux vidéo, oh yeah. Et celui-ci se nomme tout simplement Oaken. Alors il faut savoir qu'à la base, ce jeu ne m'attirait absolument pas, mais alors pas du tout. Mais j'ai vu quelques vidéos de youtubeurs que j'aime bien, que je regarde, et puis je me suis dit, allez, il n'y a que les vieux cons qui changent pas la vie. En plus, il est sur Steam, alors je l'ai téléchargé, parce que 3 Go, donc c'était très rapide. J'ai téléchargé, je l'ai lancé, et j'ai fait quelques parties, et franchement, mais il vaut bien le détour ce jeu. Vraiment, c'est... Il est vraiment excellent, enfin pas excellent, mais bon, vous aurez du plaisir à y jouer. Ça c'est évident, puisque moi, dès le début, dès que j'ai commencé à jouer, bah, j'ai adhéré directement. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le principe? Qu'est-ce que le principe de ce jeu? Eh bien, vous êtes dans un mecha, vous incarnez un robot, et un mecha c'est une espèce de robot, un robot mécanique équipé d'armes. Et vous défoncez tout sur votre passage. Et vous jouez contre d'autres joueurs qui sont eux aussi dans des mechas. Alors il en existe de différentes sortes. Par exemple des mechas plus lourds, des mechas plus légers, des tireurs de précision. Enfin bref, voilà, c'est un free to play. Il existe plusieurs classes. Vous pouvez gagner de l'argent avec des crédits bleus. Ou alors vous pouvez acheter carrément des crédits avec votre vrai argent. Mais bon bref, ça marche sur le principe d'un free to play. Vous pouvez... avancer plus vite dans le jeu, gagner de nouvelles améliorations plus vite en payant avec de l'argent réel. Voilà. Donc je suis niveau 4. J'ai fait quelques parties, mais je me suis bien éclaté sur ces quelques parties. Le jeu est très beau, il est classe. Bon, ça se joue en équipe. Il faut être coordonné avec ses équipiers. Et tout ira bien. Bon, on va directement lancer une partie. Je vais pas m'attarder plus sur le... Sur le menu de base, hein, enfin sur le menu principal, ça sert à rien, il n'y a pas grand chose à voir. On ira voir le garage peut-être après, voyez-vous. Les 4 types de mecs. Et puis on peut changer quelques armes, les objets, voilà. Bref, on va voir ça en jeu. Sachant que le meilleur, j'ai pas testé les autres modes. Il y a plusieurs modes de jeu, mais moi j'ai essayé que le DM en équipe, donc le deathmatch en équipe. Je suppose que vous savez ce que c'est qu'un DM en équipe, c'est un deathmatch, donc vous êtes deux équipes. Alors là par contre je ne sais pas le nombre de joueurs, je crois 6 par équipe, quelque chose comme ça se trouve des bêtises, mais on verra ça de toute façon dans la partie que je vais rejoindre. Mais normalement c'est, ouais, ça doit être 6, en tout cas moins d'une dizaine. Et vous fightez contre une autre équipe sur une map, et le but c'est de tuer 40 ennemis avant vos ennemis. Ok, alors un autre joueur Rocky, il manque un joueur, donc apparemment, ouais, c'est ça, on est... ouais, c'est ça, on est 6. Ah non, on est 8, 7, 7, on est 7 par équipe. Vous voyez, puisque là, il dit qu'il manque 2 autres joueurs pour jouer. Ah, ça, c'est la première fois que ça me fait ça. D'habitude, je trouve directement une partie. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah non, ok, là, c'est carrément pour toute une partie. Non, je crois qu'il recherche carrément les joueurs pour toute une partie complète, hein, même pas juste... Bon, normalement, c'est plus rapide, hein. Ah, bah, tiens. Chrissy 4087 nous dit bonjour. Eh bien, bonjour, cher ami. Ok, il y a des pilotes qui essaient de se connecter. On va se mettre prêt. Ok, voyez-vous, on peut être... Voilà, 6 par équipe, c'est exactement ce que je disais. 6 par équipe. Bon, là, ils sont désavantagés. Ils ont une personne en moins. On va jouer à 5 contre 4. Si je veux 4... 5 contre 4, ouais, c'est pas de connaître. Donc, on va prendre le mec assaut. Sachant qu'à la base, vous débutez avec le CRT Recruit, qui est pas mal, hein, même pour un début de jeu, vous allez prendre beaucoup de plaisir avec, hein, il est vraiment très très sympa. Mais moi j'ai acheté le assaut, j'ai fait quelques parties, vous développerez vite votre deuxième mec. Sachant que lui, le Vanguard, c'est le mec tank, et le Reaper, c'est le mec précision, il coûte un peu plus cher. Celui qui coûte le moins cher à acheter au début, c'est le assaut, avec le Reaper qui est pas très, très cher. Donc on va... Comme ça. Voilà, c'est... Ah mince, par contre... Ah oui, merde, j'ai pas configuré les touches. Fuc. Raccourci clavier. Hop. Alors par contre, vous allez voir un bug, voilà. Quand je change les touches et que je mets ZQSD, je ne sais pas pourquoi, eh bien, le mec se met à reculer tout seul. Constamment. C'est un petit peu chiant.
ouais, c'est vraiment relou, je sais pas. Alors si vous y jouez, si vous avez une solution, ça serait cool. Donc voyez, on se retrouve directement dans le cockpit de notre mec. On peut utiliser nos propulseurs, on voit déjà les premiers ennemis. Il faut savoir que j'ai deux armes, donc un espèce de lance-grenade, un petit lance-roquette sympa. Et en plus de ça, un bon fusil d'assaut. Et donc je tire avec les clics de la souris et on bastonne tout ce qu'il y a. Voyez, hop, ta 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 ta. On a en plus de ça. Oh, il a survécu le bobo. Yeah, voyez déjà un éliminé. Donc le premier kill. Premier kill. On va aider nos potes. On a aussi la possibilité de se propulser. Bah, avec un propulseur, hein, une espèce de pseudo-réacteur. Vous voyez, on peut faire des esquives sur les côtés. On donne un petit coup de tac, tac, sur les côtés. Et ça bouge tout seul. Holy shit. On a aussi la possibilité de se réparer. Vous voyez, on prend des dégâts. Ma barre de vie. Je vais péter. Hop, voilà, je peux me réparer avec la touche C. Vous laissez appuyer et hop, vous avez un petit droïde. Petit droïde sympathique qui vient vous réparer. Hop. On a une jauge d'essence aussi parce que bien sûr vous ne pouvez pas utiliser votre propulseur à l'infini, sinon ce serait complètement cheaté. Hop, voilà, on va s'envoler. Alors un ennemi a été spotted là-bas en face. On va essayer de les rejoindre. Ah, attention, il est de loin. Ah vous voyez, c'est vraiment. C'est très nerveux, c'est un étouplé. Très nerveux. Ouais, lui il a essayé de s'échapper là avec tout beaucoup de vie. Je l'ai intercepté. Hop, on va essayer de se faire lui qui s'en va. Faut faire attention, faut toujours regarder. Faut toujours bouger avec son équipe. Par contre, là c'est vrai que. Tac. J'ai mis le jeu en ultra, mais c'est vrai que là en filmant c'est pas des plus fous. Hein. Donc on mène déjà la partie. Nous sommes à 5-1, ce qui est vraiment très bien. Ah, et en plus je me fais prendre par derrière. Mes potes m'ont abandonné. Ah ah ah, vous avez des capacités spéciales aussi, il faut savoir. Vous pouvez par exemple lancer des boucliers, des champs de force pour empêcher de. Oh oui, encore magnifique. Magnifique, sauf que je vais mourir. Ah, je suis mort là. Là j'avais les yeux plus gros que le ventre. Il est mort juste après en plus. Je suis un petit peu dégoûté. Et nous menons 8-2, c'est super. Vous voyez, il se répare notre ennemi. Notre ennemi. Et ce problème est vraiment chiant. Donc nous avons aussi deux capacités, enfin une capacité spéciale je crois, et un objet. Vous voyez, par exemple j'ai une grenade. Vous voyez, sur le tableau de bord de mon mec en bas, j'ai la touche F. C'est ma capacité spéciale. Alors je sais pas exactement ce qu'elle fait parce que je vais pas utiliser. Alors là je suis dans une position délicate. J'ai fait le con. Je suis allé au casse-pipe, hein, il faut le dire. Oui, c'est ça, je suis allé complètement au casse-pipe. Je me suis fait défoncer, là, il n'y a pas d'autre. J'aurais pas dû, mais j'ai fait... Ouais, j'ai pas bien vu, et en plus, je suis tombé, j'ai pas réussi à me repropulser. Donc, la prochaine fois, je tournerai avec Action, parce que là, je tourne avec le Shadowplay, c'est vrai, parce que là, j'ai pas les performances optimales. Allez, toi, on va t'avoir. Yeah, allez, sabourer. Non. Yeah, un kill. Je sais pas quel score je fais. Alors bien sûr vos armes se chauffent si vous les utilisez trop. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je me suis fait avoir par derrière. Oui, c'est exact. Et les ennemis, la team adverse nous a rattrapés. Ils nous ont rattrapés. On est à 9-9. Vous voyez, on doit faire 40 kills pour pouvoir remporter la partie. Et pour ça, va falloir se bouger le cul concrètement. Hein. En fait, va falloir jouer en équipe, se déplacer. Tendre les pièges à l'ennemi. On va déjà essayer de se déplacer vers le front. C'est vrai qu'il... Bon, vu que je suppose que c'est une bêta encore, ouais. Le jeu tourne en version 32 bits et sur DirectX 9. Donc si vous voulez, c'est pas très optimisé. Allez, toi, on va t'avoir. Ah mince, ils sont plusieurs. Allez, hop, 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 hop. On attaque. Mince, overheat. Je suis en overheat. Ah mince, qu'est-ce qu'ils foutent là eux? Oh, on se cache, on se répare, allez hop. Alors il y a un petit temps avant que ça se répare, bien sûr. Ah, ce serait trop beau sinon. Hop, 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 hop. Tac, je suis réparé. Yeah, on peut retourner à la baston. Ah mince, ça c'était pas prévu. Alors là ils sont à 3 contre moi, je ne pense pas que je vais... Ah si, yes, magnifique. Qu'est-ce qu'il... Ah, il est là, un ennemi, je le chope par derrière. Oh, je suis en overheat.
Attention, attention, fais gaffe, je vais essayer de le choper par derrière. Ouais, il se répare, voyez-vous, il est en train de se réparer, magnifique. Quel kill, quel kill. Peut-être un deuxième. Allez, on va se propulser. Ah non, je me fais choper par derrière. Oula, 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 oula. C'est un peu chaud de gérer les esquives à propulsion. Et je suis mort. Rayman 2 Kill m'a tué. Bon, voyez-vous, c'est assez laborieux au début. Voyez-moi mon score, je fais 4 kills, 4 morts et j'ai fait 8 assistances. Ah, c'est... vous allez faire beaucoup d'assistances en jeu, hein. Ça c'est un petit peu normal. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok, par contre ce problème de touche est assez chiant. On va essayer d'aller aider nos potes. On va se déplacer en même temps. Ah, un ennemi. J'ai pris un tout petit peu de dégâts, on va essayer de le choper. Ah là là là. Ah, il joue avec les esquives, lui. Il joue avec les esquives. Il est coriace. Oh, superbe. Magnifique. Ah, il va... Et pourquoi il est pas mort? Oh non, c'est pas possible, ça. Il est en train de se réparer. Non, mais il a... Ou alors... Ouais, non, mais il a de la chance. Il a de la chance, le beau. On a égalité. C'est très serré comme partie. Ce sera souvent le cas, hein. Tomber sur des parties où le niveau est à peu près équilibré, eh bien ça va rester, ça va. Yes, magnifique, beau kill. Ah, je crois que je l'ai pas eu en fait. Je me suis fait piquer. En tout cas, ils ont l'air de pas être mauvais en face. Ils sont pas mauvais, ils jouent bien, ils jouent coordonnés. Hop, on utilise le propulseur. Attention. Alors je suppose qu'ils sont tous. Hop, tac. Ah, je me fais canarder. Non, je me cache, je me cache, je me cache. Hop, et là on fuit. Yes, c'est parfait, là on fuit. Hop, on va se réparer ici. Alors j'espère qu'il va pas venir par derrière, ce serait con. On se répare le plus vite possible. Normalement ça va, ouais, nickel. C'est parfait maintenant. Hop, on retourne au combat. Un pote qui se fait canarder. Ah, génial. Je suis tombé nez à nez avec un ennemi. Allez, on utilise les propulseurs, on essaie de... Il est où? On essaie de le prendre dans le dos. Non, je meurs. Ah, ah, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance. Et c'est chaud à gérer les déplacements entre propulseur qui vous propulse en avant et propulseur qui vous fait voler. C'est un petit peu compliqué. En tout cas, on recommence à mener. Faudrait que j'utilise peut-être ma capacité spéciale. Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Ce serait une bonne occasion de vous montrer. Alors... Youhou! Hop, par contre je n'ai plus d'essence. Si vous tombez de trop haut, bien sûr votre mecha prend des dégâts. La vache, la vache, la vache, la vache. On va se cacher. Ah, ah, parfait ça. Yeah, superbe. Comment ça je vais pas... C'est même pas moi qui ai eu le kill. Merde. Ah là là, je me fais tout prendre. Ah, je l'avais pas vu lui. Ah, mince, je me suis fait prendre par l'air. Bon, là on commence à perdre complètement. Une dizaine de kills d'avance pour la team adverse. Ah non, non, là on se fait péter. Là ça va pas. Là, ils sont à 7 kills de la victoire. Faut qu'on remonte. Allez les mecs, faut qu'on joue en équipe. Faut pas qu'on perde. Merde. Alors, superbe ça. Bon, par contre, je ne fais pas beaucoup de dégâts de loin. Faudrait qu'on se rassemble. Je vais essayer d'aller aider mes potes. Oula, oula, il y a un mec juste au-dessus de moi, je crois. Ah non, c'est un. Allez, on le tape. Bon, il a l'air d'avoir. Oh, superbe, il est en train de se réparer. Je l'ai défoncé. Alors, lui, il fait très mal. On va essayer de l'avoir, le choper à deux. Je suis en overheat. Il est où? Il est passé où le bougre? Alors ça c'est quand même assez drôle. Il nous a complètement échappé. C'est étrange. Étrange, étrange. Ah, très bizarre. Bon, les maps sont aussi sont très sympas. Vous avez des villes. Ah, ah bah on a perdu. Ah bah ça y est, défaite. Défaite, on a perdu. On s'est fait défoncer. Je crois que le temps imparti était... a été écoulé.
Si je dis pas de conneries, alors ouais, bon, effectivement, là on a pris une petite branlette, et donc en fin de partie, vous voyez tous les mecs de la team qui a gagné, ils ont des petites actions, des petits emotes à enclencher à ce moment-là, c'est sympa. Vous pouvez les débloquer avec des crédits, si je ne dis pas de bêtises. Et donc je suis bientôt niveau 5, j'ai gagné pas mal d'XP. Bon, c'était pas une très très bonne partie. Je pense que je vais vous en faire une autre. Ou alors je vais arrêter là, je ne sais pas. Une partie c'est suffisant je pense. Je vais pas faire une vidéo très très longue. Ça va être une vidéo pour le week-end, puisque ce week-end j'ai pas mal de boulot, vu que lundi et mardi j'ai mes oraux. Donc je pense vous sortir cette vidéo probablement samedi soir ou alors dimanche. Je ne sais pas. Je verrai. Ouais, bah du coup on va arrêter là. On va arrêter là, ça fait 15 minutes, ça va, c'est suffisant. Je vais quitter le match. Bon, voilà, en tout cas, ça aura été une petite présentation de ce jeu qui est disponible sur Steam. Je vous rappelle, c'est un free-to-play, il s'appelle Hawken. Et franchement, il procure pas mal de plaisir. Si vous êtes en manque de petits jeux comme ça, de pseudo-FPS, à jouer en team, comme ça, sur des petits laps de temps, sur des petites maps aussi... Où il y a du teamplay quoi. Bah, n'hésitez pas à foncer sur ce jeu, il est vraiment génial. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Lâchez un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.